Hello, ça fait maintenant un an qu'on est installé dans le sud de la France et on n'a toujours pas pris le temps d'aller découvrir le Luberon et le Vaucluse. Dans ce sixième épisode de l'Europe en van, on t'emmène à la découverte du Colorado provençal, de Gordes, de Fontaine de Vaucluse et enfin de l'île sur la Sorgue. Alors surtout, reste bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça s'annonce magnifique. C'est parti! À seulement une heure d'Avignon et d'Aix-en-Provence, le Colorado provençal est un incontournable pour un week-end dans le Luberon. Situé sur la commune de Rustrel, il attire les foules par milliers quand les beaux jours arrivent et on comprend pourquoi en observant les couleurs ocre de ses anciennes carrières à ciel ouvert. Ses allures de canyon font de ce lieu unique en France un vrai décor de carte postale grandeur nature. Sur place, tu trouveras deux circuits balisés pour explorer le Colorado provençal et en prendre plein la vue. De notre côté, on a opté pour le plus long, qui se fait assez facilement, en 1h30 environ, sans se presser. Bon allez, on arrête de t'en parler et on te laisse avec de belles images avant de prendre la direction de l'un des plus beaux villages de France. Tu l'as deviné, nous voici maintenant à Gordes, l'un des plus beaux villages de France situé au cœur du parc régional du Luberon. On pourrait rester des heures à admirer le village depuis le point de vue qui lui fait face et qui attire une flopée d'Instagrammeurs du monde entier chaque année. Mais il fait un peu frisqué ce matin et pour se réchauffer, on décide de partir à la découverte des petites ruelles et des maisons en pierre qui font le charme de Gordes. À deux pas du village se trouve l'abbaye de Sénanque et ses magnifiques champs de lavande, ainsi que le village des Bories, un ancien village constitué de maisons de bergers restaurées à la fin des années 70. Ces deux visites seront pour une prochaine fois car on n'a pas vu le temps filer et Fontaine de Vaucluse nous attend. Au détour d'un virage, on découvre la beauté de ce village et de l'eau qui s'écoule depuis la source sur les hauteurs de celui-ci. Situé à 600 mètres du village et en contrebas d'une impressionnante falaise, le gouffre de Fontaine de Vaucluse est l'une des résurgences les plus importantes d'Europe. On pourrait se croire au Mexique dans un cénote à ciel ouvert tellement l'eau est translucide et brille de mille feux sous les rayons du soleil. Lors de notre passage, il n'y avait pas trop de monde et on a pu profiter de la quiétude du village en regardant les canards remonter la Sorgue. C'est tout ce qui fait le charme de cet endroit. Paisible hors saison, mais on imagine fourmillant de touristes en plein été ou au printemps quand l'eau jaillit du gouffre. Un peu comme l'île sur la Sorgue. L'une des nombreuses Venises françaises qui voit sa population nettement augmenter durant la belle saison. Facilement accessible en train depuis Avignon, l'île sur la Sorgue nous a charmés par sa douceur de vivre. En se baladant le long des canaux, on sent que ici, les gens sont heureux et respirent le bonheur. L'une des particularités de la ville, c'est le nombre d'antiquaires. Plus de 300 sont regroupés dans différents sites comme l'île aux Brocantes ou le village des antiquaires de la gare. De nombreuses personnes viennent donc à l'île sur la Sorgue pour dénicher des pièces ou bibelots qui se font rares à travers le monde. Si tu as l'occasion, on conseille de t'y rendre un jeudi ou un dimanche matin pour flâner dans les allées du marché aux couleurs provençales. J'espère que t'as apprécié cette balade dans le Vaucluse et le Luberon. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, t'abonner, un petit commentaire, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve le week-end prochain, dimanche à 10h, pour une vidéo en Ardèche. D'ici là, on te souhaite une bonne semaine. Bye bye, bye, bye.